Alors Jean-Jacques Prévost, restaurateur à Cavaillon, installé depuis 33 ans. Je suis donc, entre guillemets, l'ambassadeur du melon. Et je travaille en famille avec ma fille Sandra Rose Prévost, qui est sommelière du restaurant. L'une des spécialités du restaurant, c'est le melon de Cavaillon. Et nous allons préparer ensemble une recette simple, gourmande, jouissive par l'odorat mais aussi par le palais, qui s'appelle le rouleau d'été cavaillonné. En accord parfait avec ce plat cavaillonné, nous avons choisi un Côte du Rhône rouge, Fontaine du Clos, donc 2012, un vin qui ira aussi avec la recette parce que je vais cuire tout à l'heure un petit peu de vin avec le poisson. Les vignobles de l'appellation Côte du Rhône s'étendent le long du fleuve, de Vienne à Avignon. L'appellation admet en tout 21 cépages. Principalement rouges, ce sont des vins puissants et ronds, francs et simples. Ils sont destinés à de nombreuses alliances gourmandes. Ce qui caractérise les Côtes-du-Rhône, c'est leur générosité. Alors la recette, elle démarre avec des produits simples. Un très bon melon, bien galbé, bien dodu, avec la petite goutte de sucre qui coule le long du pécou. Donc le melon, je l'ai déjà décortiqué. Je l'ai taillé en frites dites pompon-neuf. Pompon-neuf, ça veut dire la grosse frite. Ensuite, le fenouil, la courgette, la carotte des sables de Camargue. Un saté de pignon de pin. Quelque chose qui rappelle quand même aussi le pépin de melon. De la coriandre fraîche, de la menthe fraîche, de la mélisse derrière, de la fleur de serre de Camargue, du poivre, du moulin, la feuille de riz, parce qu'il nous faut de la feuille de riz pour préparer ces fameux rouleaux cavaillonnés. Et sans oublier aussi, pour réaliser cette recette, nous avons choisi du merlu, un poisson frais qui nous vient de l'Atlantique. Alors on va commencer la recette par retirer la peau du poisson. On va la couper en deux et on va chercher la peau à derrière. Nous avons deux très jolis filets que je vais tailler en lanière, un peu épaisse, un peu comme vous voyez, un petit peu comme pour le melon, même épaisseur. Et ces filets de poisson, nous allons les pocher dans le vin, le fameux Côte du Rhône Fontaine du Clos. Voilà. Versez un petit peu, voyez, regardez, et je vais laisser réduire. En fait, je vais essayer de récupérer les tanins de ce vin. Il y a de la Syrah et du Mourvèdre dans deux bons cépages de la vallée du Rhône. Avec beaucoup de caractère et ça va donner du goût au poisson, ça va donner un très bon goût. Alors vous voyez, ça réduit très vite hein. Et là on va obtenir que des tanins très goûteux. Et surtout on va obtenir une couleur très forte, très colorée, très noire, très raisin en fait. Ça va lier tout doucement, pas besoin de mettre de ficule de pomme de terre. On est sur la réduction, on va rajouter un beau morceau de beurre. Voilà, mon beurre de vin est prêt. Je vais ajouter mes filets de poisson. Et on va laisser saisir 30 secondes chaque côté, à peine. Alors un petit peu de fleur de sel, évidemment. Cavaillon est juste à côté. Ça va très vite, regardez. Le beurre va donner un goût gourmand. Le vin, le tanin va embellir le beurre. Et en plus, ça va rester brillant jusqu'à la fin de la recette. Et maintenant, je vais placer ça au réfrigérateur, bien frais. Nous allons le travailler à froid. Alors maintenant, nous allons poêler le melon pour le refroidir dans l'huile d'olive. Ça crépite, ça chante, hein, on est en Provence, comme les cigales. On va mettre un peu de fleur de sel, on va le poivrer maintenant, important. Le melon est fade quand il est cuit, donc il faut le relever. Le principe de cette recette, c'est que le melon soit rôti, mais croquant au milieu. Alors ce qui est bien, c'est que le sucre du melon va caraméliser la recette. J'ai pas besoin de rajouter du beurre, l'huile d'olive suffit largement. Pour cela, il faut un melon très ferme, un melon qui soit croquant au départ. Ça, c'est important. Faut pas un melon trop mûr, parce que si c'est trop mûr, ça va partir en soupe. C'est pas le but. Voilà, c'est terminé. Alors voilà, mon melon est rôti, donc juste croquant. Hein, il reste bien croquant. Je le laisse au réfrigérateur. Quand il sera bien froid, je le sortirai et nous préparerons ensemble les rouleaux d'été cavaillonnés. De l'huile d'olive de Provence, hein, évidemment. Nous sommes à Cavaillon. Donc on va ajouter les carottes, un petit peu de fleur de sel de Camargue. Donc on va laisser les carottes un peu croquantes quand même, juste saisies. Deux minutes maximum. Alors maintenant, nous allons les goûter et nous allons faire une deuxième cuisson, la courgette. Là, ça va aller très vite parce que la courgette, c'est quand même plus souple. Toujours un peu de sel. On va mettre un peu de poivre. Allez. La courgette, regarde, elle est fondante. Elle va rester craquante. Et on va terminer par le fenouil. Alors, vous avez vu que je n'ai pas cuit les légumes en même temps parce que tout simplement, je veux préserver le goût de chacun. Donc, le goût de la carotte, on aura bien le goût de la carotte. La courgette et le fenouil en finalité. Et si j'avais mis d'autres légumes derrière, c'est pareil, on cuit toujours les légumes séparément.
Alors le fenouil, comme il était un peu plus épais, on va y ajouter un petit peu d'eau pour gagner en tendresse. Alors une petite astuce, on peut aussi déglacer au vinaigre blanc balsamique. Un petit coup de blanc balsamique pour redonner un petit peu de peps. Mais comme j'ai mis du tanin, donc je l'ai cuit dans un vin de la vallée du Rhône, donc je ne vais pas mettre le vinaigre parce que c'est le vin qui va rajouter de l'acidité et du goût à cette préparation. Alors maintenant, je vais placer cette julienne de légumes, carottes, courgettes et fenouilles, au réfrigérateur. Donc je vais tremper les feuilles de riz dans de l'eau tiède, une minute, dans de l'eau tiède à 40 degrés. Donc on place cette feuille là, on l'étale bien. On va ajouter quelques feuilles de salade. J'ai rajouté quelques petites salades craquantes, voilà, là-dessus. Là, c'est la sucrine, mais c'est un peu de la laitue. On va ajouter la fameuse julienne de légumes. On va rajouter le melon de Cavaillon. Donc, il est resté, vous avez vu, il est resté ferme, bien ferme et croquant. Le filet de poisson sur le côté. On va garnir un petit peu dessus le saté, donc à base de cacahuètes ou de pignons de pin. Là, j'ai fait au pignon de pin, voilà, juste pour parfumer là. Hop. Quelques feuilles de menthe pour garder un petit peu de fraîcheur. C'est très important, la fraîcheur. On va rajouter un petit peu de coriandre fraîche. Ah, un petit citronnelle, voilà. Donc, on va fermer de ce côté-là. Hop. Donc, on le roule, on le roule, on le roule, on le roule. Mon rouleau d'été cavaillon est terminé. Donc, je vais laisser au réfrigérateur à peu près une heure avant de le servir. Alors, ce qu'on va faire, on va réaliser la vinaigrette. Alors, comment réaliser une vinaigrette de pépins de melon? Très simple. Du jus de pépins de melon, là, que l'on va presser. Donc, le chapelet du melon. Donc, on presse avec un chinois. Regardez ce bon jus qui coule. Ça, on le jette. Quel dommage. Toute la vitamine C se trouve là. La provitamine, la carotène, le lion. C'est un lion naturel parce qu'on a la gélatine des pépins que je vais bien écraser. Et tout ça, on le jette. C'est bien dommage. Le jus des pépins, un fouet, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, du vinaigre balsamique ou vinaigre blanc balsamique. Eh bien, on va monter tout simplement la vinaigrette. Et regardez, elle monte tout doucement. Elle se lie, la pectine qui se trouve dans les pépins. Et l'avantage de cette vinaigrette de pépins melon, vous pourrez la conserver 2-3 jours au réfrigérateur. Voilà, elle est montée. Elle nappe, comme à la crème anglaise, elle nappe la cuillère. Voilà, ça c'est bon signe. C'est gourmand, c'est doux. On sent bien le sucre, on sent bien le vinaigre, on sent bien l'huile d'olive. Juste assaisonner le sel et le poivre, ça suffit. Cette recette, c'est un miracle. Alors maintenant, nous allons passer au montage. On va récupérer la nème, on va la tailler en deux. On voit bien le poisson, les légumes, le melon, la salade. On va rajouter, juste pour le fun, un petit peu de vinaigrette, juste pour couvrir, pour donner un petit peu de brillance. Mais évidemment, on va se servir de la vinaigrette comme un aime. On va rajouter quelques graines de sésame. Voici ce rouleau d'été cavaillonné, terminé, gourmand, coloré, à base de melon, de petits légumes de Provence. Et puis, Sandra Ross, tout à l'heure, vous parlera de ce délicieux vin qui l'accompagne, ce vin de la vallée du Rhône, Fontaine du Clos, en 2012. Donc pour accompagner cette recette d'été, donc on va carafer ce Côte du Rhône. C'est bien de le servir un petit peu frais si on veut apprécier cette recette quand c'est la belle saison du melon. Le domaine Fontaine du Clos, d'environ 100 hectares, bénéficie d'un climat idéal, baigné de soleil et assaini par le Mistral. Sa double activité de vigneron et de pépiniériste viticole lui permet d'avoir une très bonne connaissance de la vigne. C'est croquant, c'est juteux, il est un petit peu gouléant, c'est joliment fait. Le poisson a été cuit dans ce vin, donc là il va avoir un petit peu le rapport du raisin et puis du côté des tanins qui sont présents mais assez fondus, assez soyeux. Donc voilà, à déguster sans modération.